Bonjour, ici Olivier du site commentfairesabière.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver une super bonne recette à brasser avec de l'extrait de malt. Tout d'abord, il vous suffit d'aller dans le cloud. Cochez la case extrait et tapez ce que vous voulez. Par exemple, nous allons chercher une bière belge. Tapons Belgian. Oui, il y en a tout un tas. On va les classer par la note. Hop, et on va prendre une chimée bleue, ce que j'aime assez bien. On regarde la recette, parfait. Copier en local dans mon dossier extrait de malt. Voilà. Alors, on ouvre la recette. Parfait. Maintenant, c'est une recette qui est faite avec le matériel de l'auteur. Pour l'adapter à votre matériel, cliquez en haut à gauche sur redimensionner. Choisissez votre matériel. J'ai créé un matériel spécial pour extrait qui contient simplement une petite casserole de 5 litres. Cliquez sur OK. Ça y est, toute la recette a été adaptée pour faire 5 litres de bière chimée bleue avec de l'extrait de malt. Afin de brasser, cliquez sur feuille de brassage et imprimez la feuille de brassage. Vous avez les grains à infuser et les ingrédients à ajouter pendant l'ébullition. Alors, si vous voulez adapter une recette tout grain à un brassage par extrait de malt, prenez la recette. Par exemple, le clone d'Orval que j'avais brassé pour le défi bière 2014. C'est une recette tout grain. Mais j'aimerais la brasser avec de l'extrait de malt. Je clique en haut à gauche le bouton Convertir. Extrait. Ce ne sera plus ma première pico, ce sera le matériel pour extrait. Et vous devez choisir le grain de base parce que le malt existe en light, extra light, en version sèche poudre ou en version liquide. Moi, c'est l'extrait que je possède. Cliquez sur OK et voilà, la recette a été totalement convertie en brassage par extrait de malt. Cliquez sur feuille de brassage et voici un Orval que vous pouvez brasser à base d'extrait de malt. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous appréciez toujours tout autant que moi ce fabuleux programme qu'est Beersmith. N'hésitez pas à visiter mon blog www.commentfairesabière.com si vous avez plus de questions au sujet du brassage amateur. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter afin de bénéficier d'une réduction sur le prix du programme Beersmith. À bientôt!